Arrêtons-nous ici, au pied de cette montagne. Aaron, viens. Aaron, le Seigneur m'a parlé et il m'envoie, je vais monter en haut de la montagne. Il veut me parler. Seulement, je sens que le peuple est fatigué et il a besoin d'un guide. En effet, j'ai peur que si je le laisse seul, il fasse ce qui est mal. Je vais donc te demander de t'occuper de mon peuple en mon absence. Je compte sur toi. D'accord. Tu peux compter sur moi. Ça fait déjà 25 jours qu'il est parti sur la montagne, Moïse. 25 jours? Tant que ça? Ah ouais, c'est long. C'est long, hein? Oh là. Très long. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? On s'ennuie un peu, quand même. Hein. Mais il va revenir, vous inquiétez pas. Donc, ouais, bien sûr. On peut se poser la question, là. Et s'il était mort? Quoi? Non. Ouais. Bah oui. C'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. Réfléchis. Il est monté tout là-haut sur la montagne. À mon avis, là-haut, il n'y a rien à manger. Hein. Rien à manger et rien à boire. Ah, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Et vous vous rendez compte, s'il est mort, ce que ça veut dire? Tout ce qu'on a fait là, sortir d'Égypte, partir vers une terre promise. Mais on ne sait même pas où elle est, cette terre promise. Et regardez où on est, en plein désert, là. Qu'est-ce qu'on va venir? C'est ridicule. Dieu ne nous a pas abandonnés comme ça. Moïse, il est sûrement en train de discuter, là. Enfin, il va revenir, ne vous inquiétez pas. J'en doute, hein. Qu'est-ce qu'il peut bien se dire aussi longtemps, là? C'est 38 jours, maintenant, qu'il est parti. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas continuer à l'attendre. On ne peut pas rester comme ça. Non, c'est trop dangereux. On est là tout seul, on est perdu dans le désert, abandonné. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne va pas nous abandonner, Dieu. Mais tu vois bien que si. Hein. Mais tu le vois, toi, Dieu? Bon, Dieu, on ne le voit pas. Hein. On peut en parler, on peut dire oui. Moïse, il nous parlait de Dieu, mais il n'est plus là, Moïse. Mais alors, vous avez vu ce qu'a fait Dieu? Il a ouvert la mer pour vous. Il a fait tomber la manne. Il était là. Ouais, mais c'était avant, c'était quand il y avait Moïse. Là maintenant, bah, on est tout seul, on est. Voilà quoi. J'ai une idée. Quoi? Et si tu nous fabriquais un dieu? Tu sais, un dieu qu'on puisse voir, qu'on puisse toucher. Mais ça va pas du tout. Non, ça. Quelle idée? Non, pas du tout. Si, moi je suis d'accord. Si, hein. Moi je trouve que c'est une bonne idée c'est aussi. C'est une bonne idée. Tous les autres peuples ont des dieux. Tout le monde a des dieux. Ils ont tous des dieux. Qui peuvent voir, qui peuvent faire des fêtes autour, ils leur font des sacrifices et tout. Nous, on fait des sacrifices à un dieu qu'on voit même pas. Alors, mais Moïse va revenir. Je ne serais pas conscient, non. Mais attends, Moïse, il est plus là, Moïse. Il est mort, Moïse, si tu crois. Ça fait 40 jours qu'on l'attend, là. Mais c'est fini, Moïse. C'est terminé, Moïse. Non, elle a raison, il faut passer à l'action. Il faut qu'on fasse un dieu. Absolument, il faut faire un dieu, maintenant. On a besoin d'un dieu, il nous faut un dieu. Il faut faire quelque chose. Il faut qu'on puisse le voir. Bon. Écoutez-moi, puisque vous le voulez tant, vous allez me donner vos bijoux, et je le ferai fondre, et avec, on fabriquera un dieu. Ah, super, ah, bonne idée, ça, c'est une bonne idée. Génial, voilà. Génial. Ah, tiens, voilà, je t'apporte. Là, et puis je peux te donner ça encore, là. Là, et puis ça. Voilà ce que j'ai, on va dire. Amener du bois et faites chauffer la main. Super, ça commence à fondre, hein, super, génial.
Il va être magnifique, notre dieu. Ouais. Vous a fait sortir d'Égypte. Oh, notre grand Dieu qui nous a fait sortir. Il est magnifique. Oh, que Dieu. Mais qu'avez-vous fait? Il est revenu. Quel est ce veau devant lequel vous dansez, vous prosternez? Aaron, qu'as-tu laissé faire à mon peuple? Mais ce n'est pas de notre faute. Tout le monde pensait que tu étais mort en haut de la montagne. Alors, les gens, le peuple m'a demandé de lui faire un dieu. J'ai fait fondre la pensée. Ce que je viens de faire avec cette tablette de la loi, vous l'avez fait avec les lois du Seigneur. Aaron. Viens. Tu vas réduire en poudre cette statue. Tu vas en faire une soupe et tu vas leur faire boire. Oui. Maintenant. Et vous maintenant, venez. Venez. Chose avec les voix du Seigneur. Je vais m'en aller à nouveau pour la même durée. 40 jours. Peut-être trop long. S'il te plaît, faites fructifier en sorte qu'il n'y ait aucun problème. Les gens doivent avoir confiance, même s'ils ne voient pas Dieu, même s'ils ne l'entendent pas. Il est là. Je compte sur vous. Alors, Moïse est reparti pour 40 jours. Mais cette fois, on n'a rien fait de mal, hein. On est resté obéissant. Voici les commandements du Seigneur, les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, comme le veau d'or par exemple. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour rien. Tu respecteras le jour du sabbat, le dimanche, où tu te reposeras. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu resteras fidèle envers ton mari ou ta femme. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas contre les autres. Et tu ne convoiteras pas le bien des autres. Ces 10 commandements, Dieu nous les a donnés à nous. Il vous les a donnés à vous aussi. Pas seulement au peuple d'Israël, à tous. Trouvez-vous qu'ils sont difficiles à suivre ? Quand même, hein, quand tu veux, hein. Ça va être difficile, quoi. La tentation de désobéir est grande. Pourtant, sachez souvent que c'est justement avec l'aide de Dieu, en se confiant à Dieu en premier, qu'il peut nous aider à ne pas lui désobéir.
Merci. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Bravo.